stratégie de survie parce qu'à chaque fois que les campagnes sont déficitaires, les campagnes agricoles sont déficitaires, les bras valides, ce qu'on appelle les bras valides chez nous, la même productive du ménage, décident quand même de partir à un horizon inconnu au départ, mais dont on a l'espoir de pouvoir trouver de quoi aider la famille restée au village. Donc, cet exode-là a une double implication. La première implication, c'est que cet exode, il vide les villages donc de la force productive à la longue. Mais aussi, cet exode a curieusement un aspect aussi positif, parce que les familles qui disposent d'un exodant à l'extérieur sont des familles qui ont plus de facilité à traverser la période de soudure. Puisque lorsqu'il trouve un petit travail en ville, il envoie de quoi acheter du mil et stabilise son ménage pour qu'il puisse s'occuper de son champ. Plus de 80%, la destination, c'est les villes africaines. Aujourd'hui, l'Eldorado, c'est la Guinée équatoriale. Il y a une portion dont la destination, l'objectif ultime, c'est d'aller en Europe. La préoccupation de l'Union européenne, c'était la migration. Comment arrêter l'arrivée des migrants en Europe? Les passeurs sont obligés d'organiser leur réseau dans la clandestinité. Et donc, les migrants deviennent de plus en plus vulnérables, puisqu'ils se fient à ce que les autres disent sans avoir aucune possibilité, je ne sais pas, d'analyser ou de savoir le risque qu'on encourt. Donc, ce combat que le gouvernement mène est un combat financé par l'Union européenne avec la complicité de nos pays. Aujourd'hui, je pense que nous constituons la frontière sud de l'Union européenne. Le Niger, nous sommes la frontière sud de l'Union européenne, puisque à partir d'Agadez, il ne faut pas laisser quelqu'un partir. Parce qu'on pense que s'il sort d'Agadez, c'est comme s'il est arrivé en Europe. Donc aujourd'hui, la frontière de l'Europe, c'est Agadez, ce n'est pas la mer Méditerranée. Nous luttons pour donner un visage humain à la migration. Tous les projets que nous déployons, c'est pour donner ce visage humain. Ce visage humain passe par le respect des droits des migrants. Dans tous les cas, la migration ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'il ne faut, faut pas qu'on se leurre. Hein. Le monde a été fait de la migration. Les départs continuent et continueront. C'est seulement les chemins qui changeront en fonction des intérêts.